Jimmy Sterry. Pour le meilleur de la musique en Haute-Seille. Et nous sommes à Plein Oiseau pour le premier tremplin Zig Jeune. Quelle est bonne cette idée. Alors qu'est-ce qu'il a fait Jimmy? Il a mis sa veste de pompier. Et pourquoi? Parce qu'il va y avoir le feu. Nous allons avoir ce soir, venez. Ils vont se produire ici sur cette scène. Il y aura d'abord Emric, le groupe Première Fois, et également The Jeans, Goodness of Magnolia et Increase. Et bien sûr la guest star, Denver is not the last. Avec ce soir, des interviews exclusives dans notre camion Haute-Seille TV de tous les groupes de la soirée et surtout de la musique live. Salut, c'est Emric en exclusivité sur Haute-Seille TV. Franchement, Emric, t'étais tout seul avec ta guitare et ton micro, t'assures grave, Emric. Ah bah merci beaucoup, ça me fait plaisir. D'autant que là, c'était dans des situations un peu exceptionnelles. Normalement, je devais être accompagné de musiciens. Et puis bon, ça s'est pas fait, on improvise un peu, voilà. Ouais, moi j'ai trouvé que t'avais une super présence sur scène, cool, décontracte, à l'aise quoi. Ah ouais, bah alors j'essaie d'intérioriser tout le stress parce que c'était énorme, j'étais vraiment stressé. C'est vrai? Ouais. Et bah ça se sentait pas du tout, Emric. Emric, moi j'ai adoré tes chansons. Et par contre, j'avais une question un peu à te poser. Mmh. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à Michel Berger? Oui, on l'a déjà dit. Ouais, trop fort. Et alors, ça fait plutôt plaisir ou pas? Ah, mais carrément, mais la musique, elle ressemble pas à celle de Michel Berger. Il est trop fort, il est à un trop haut niveau pour moi. Oui, quand j'écoute du Michel Berger, je suis aux anges, il était vraiment exceptionnel, donc ouais, ça fait plaisir, ouais. Tu voudrais nous dire un peu tes influences, Emric? Ouais, mes influences, donc il y a Balavoine, Calogero, Aldebert, j'essaie de mélanger de la musique qui permet de chanter vraiment des mélodies très chantées comme Balavoine, comme Calogero, là où ils chantent vraiment, avec plutôt du texte rigolo comme fait Aldebert ou Benabar. Donc j'essaie de mélanger un peu les deux parce que c'est pas souvent qu'on a des chansons qui sont chantées et avec du texte rigolo un petit peu en même temps. Ah c'est super. J'essaie de mixer ça. Et tu viens de Vesoul? Ouais. Ah comme quoi on peut venir à Vesoul et faire de la musique. Ah mec, coucou. Comme quoi. Et qu'est-ce qui ferait ton originalité? Bah moi je pense que c'est ce que je viens de te dire sur la composition, voilà, je pense que c'est plutôt ça. Ce mélange humour, mélodie. Mmh. Voilà. C'est super, Emric. Est-ce que t'es plutôt cidre chaud ou vin chaud? Plutôt cidre, mais je bois pas beaucoup d'alcool, je bois que du cidre au maximum quoi. Ah oui, là ça fait le gars qui fait pas la fête, ouais, c'est raté. Alors là, Emric... Non mais couvé, on l'a fait. Ah mince. Désolé. Ouais. Je perds un point. Aïe là.
Écoute, Émeric, Outside TV, tu as un de tes plus grands fans, il s'appelle Maurice Cavalier. Est-ce que tu pourrais lui faire un petit coucou à la caméra parce qu'il nous a demandé ce que tu peux dire. Salut Maurice. Salut Maurice, ça me fait plaisir de te dire bonjour. Absolument. Maurice, c'était Émeric en direct pour toi. Et Émeric, on va te demander une dernière chose. Est-ce que tu pourrais venir signer une petite dédicace sur l'affiche du tremplin zig de Plénoiseau? Bien sûr, ouais, ça me... C'est génial ça. Tiens, c'est un stylo qu'on va... Alors, faut qu'on trouve un peu un espace clair, voilà. Hop, hop. Et voilà. Et voilà les cocos, c'était Émeric en direct pour Outside Music. Salut Outside Music. Salut, c'est première fois en exclusivité sur Outside TV. Yeah. Et on a dit un de ces quatre, on jouera ensemble et on s'y est mis à un mois et demi, à peu près. Un mois et demi, vous jouez ensemble? Avec plutôt une fois par semaine. Oui. Ouah les gars, vous assurez grave. Et qu'est-ce que sont vos influences? Ouf. Voilà. Il y en a. Moi je dirais... Lui il m'influence. Alors lui m'influence, tu dis quoi toi, vas-y. Elle veut où? Ouais, et puis toi? Les Red Hot Chili Peppers. Et du coup, qu'est-ce qui fait votre originalité à vous? Lui. Ça, non, c'est une vraie bonne réponse du groupe de rock. Bon, non, c'est parce qu'on joue à l'arrache en fait. Voilà. Ouais, c'est ça, l'arrache. Un mot à l'arrache. Et, bah oui, et bah, c'est déjà bien. Et tout en anglais alors? Oui, tout en anglais, ouais. C'est mieux. Parce que quoi? Parce qu'on raconte des conneries. Et parce qu'en français ça rime pas c'est bien, c'est pas sérieux. C'est lui qui sait. Non, j'aime pas en français. C'est pas un truc. Et en deux mots, tu veux nous dire un peu tes chansons? Ce qu'elles disent, ce qu'elles portent, quel message vous voulez transmettre? Allez, coco. Ça varie d'une chanson à l'autre. Disons qu'il y en a une qui va dire ouvrez les yeux parce que voilà, il y en a marre de foncer dans le mur. Et une autre qui va dire que les choses de la vie sont là sous nos yeux. Alors là, t'as cherché. Ça, c'est sûr. Et toi, tu cautionnes? Bah écoute, je cautionne parce que là, j'ai pas bien le choix. C'est selon ce que j'allais dire. C'est un menteur en fait, il est complètement d'accord, les cocos. Et il a bien raison, on fonce droit dans le mur, les cocos. On y va droit, tout de suite. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'aurait pas dit qu'il faudrait absolument que ça soit dit? Si. Et puis toi? Rien. Formidable! Et maintenant, on va vous demander si vous voulez bien de nous faire une petite dédicace sur l'affiche du premier tremplin zig. Pas de problème. De Plénoiseau. Nélicane. Et c'est la première fois. J'ai déjà fait. C'est la première fois, mais tout est une première fois. C'est normal. Excellent. Allez. Salut, c'est The Jeans, en exclusivité pour... Outside TV. Yes. Thank you.
Alors qui c'est le chef qui parle? Qui c'est? Vas-y, je parle. C'est toi le chef? Non, je suis pas le chef. Y'a pas de chef, d'accord. Alors vous, The Jeans, pourquoi? Parce que... Ça c'est une vraie bonne réponse, mais lui il a envie d'être plus intelligent, vas-y. En fait c'était un mélange entre Teens et Jeans, c'est débile, mais voilà, enfin ça sonnait bien, donc... Ok, donc vous, vos influences, moi j'ai noté Nirvana, U2, y'aurait quoi d'autre? The Pretty Reckless. Et Sum 41. Du coup, vous avez des compos, vous avez joué des morceaux à vous? C'était juste un petit solo. Ok, et ça c'est pour bientôt? Des compos? Les compos, ouais. Ça viendra, ça viendra. Pour l'instant, vous vous rodez avec des reprises. Voilà, okay. Mais c'est moi qu'on est ensemble. Donc ça fait 6 mois que le groupe a été créé, voilà. Pour le tremplin. Non. Non, c'était pour, voilà, on aime tous la musique, faire de la musique, donc voilà. On a décidé de monter un groupe. Ça c'est bien les cocos. Eh ben ouais, on aime faire de la musique, on fait quoi? On monte un groupe. Vous pourriez nous faire une petite reprise de U2 a cappella, c'est parti, tu fais la batterie. Qui c'est qui fait la guitare? Ah, c'est chaud, hein. Allez, go, go, go les gars. Vas-y. Ok les cocos, merci pour tout, merci pour cette interview exclusive. Maintenant ce que je vais vous demander c'est de bien vouloir signer le super poster du tremplin jeune pour qu'on garde un souvenir de votre passage. Allez, allez-y les cocos, il y a les stylos. Vous pouvez écrire sur le plan. Oui. Ou sur les dessins du gars. La semaine prochaine, vous aurez droit aux interviews et aux lives exclusifs de 3 groupes encore. Il y aura Goodness of Magnolia, Increase et les guest stars Denver is not the last. À la semaine prochaine, les cocos.